avec des missions qui gagnent là de gouvernement, est-ce que vraiment gagne une volonté bon côté président de la République pour que le partage pouvoir avec l'opposition plurielle ou les membres de l'opposition? On pensait que jusqu'à présent, la difficile pour nous dit oui. La difficile pour nous dit non, mais la très difficile pour nous dit oui parce que si problème c'était partagé pouvoir by poste ministériel à un ensemble de monde qui est en opposition, moi pensais parmi tout le monde qui est en opposition, il y a un ensemble de postes, le premier ministère des Affaires sociales, président c'est un AI metté. Tu te mettais un AI. Maintenant, je vous dis, hein, président mettons premier ministre AI. Qui projet président? Projet président, c'est organiser élection, c'est faire référendum, c'est faire nouvelle constitution. Je vous dis, hein, situation, peuple à vivre là, tellement compliqué, dans pile monde, qui pour qu'on comprenne le pouvoir à parler de référendum, à parler de élection, même si on reconnaît que pour renouveler personnel politique là, puisque nous en démocratie, il faut gagner élection. Mais maintenant, est-ce que élection possible dans un pays? On hein? Croit que la très difficile pour nous sans à l'aise pour dire pral gagner élection. Et c'est ça que fait Marco, si vous permettez moi. Mm-hmm. Par exemple, vous te posez question, faut que président pas continuer à faire comme ça, par exemple, vous pensez que et Claude Joseph, docteur Claude Joseph, peut arrêter pour le ministre AI jusqu'à ce que le mandat fini. Mon mm-hmm. gars, bagay. Il y a des gens qui ont droit, ouais, dans l'autre sens, qui dit s'il doit rester, qu'il reste. Pour qui ça? Parce que, ou ensemble de secteurs de l'opposition, qui n'ont pas trop intérêt, je dis, hein, pour y aller partager un pouvoir avec le président Jovenel Moïse, qui selon eux-mêmes, il ne faut pas oublier, selon les gens qui sont dans le secteur et démocratique ou bien dans l'opposition, que le mandat président fini en 2021. Maintenant, il te parlé déjà de gouvernement de facto et qu'il y a un démissionnaire qui a continué. Est-ce que le président lui-même le regarde très clairement que projet référendum non, biaisé par rapport avec déclaration blanc en fait là, enfin tout haïtien, un pile haïtien qui soit en face pouvoir ou bien qui a observé, senti par un climat de paix propice pour l'organisation, soit des référendums ou bien de l'élection. Un tissu social qui déchiré, je dis, hein, pas gagné un minimum consensus qui lui est joint entre les acteurs pour organiser soit référendum ou bien élection. Maintenant, est-ce qu'elle peut aller aussi facile? Le nous qu'on est gens politiques faites dans le pays. Hein? Discours, paroles, paroles et paroles. Côté que, même si Premier ministre AI, hein, Dr. Claude Joseph, t'as fait 2 mois, 3 mois, pendant qu'il a expliqué une nouvelle forme de dialogue qu'il a fait, est-ce que l'opposition a aussi à l'aise pour aller prendre 2-3 postes ministériels dans un nouveau gouvernement? Pendant que a demandé même gouvernement ça pour aller, c'est la grande question. Deuxièmement, qui intérêt président Jovenel Moïse et ensemble de monde qui n'a pouvoir taguer si on constatait que mandat a fini 7 février 2022, opposition non manifestation non ensemble de problèmes que soulevé qui gagnait avec pouvoir en place ça. Président a constaté que yo pas qu'arriver faire référendum là, yo pas qu'arriver faire nouvelle constitution, yo pas qu'arriver faire élection. Yo pas gain intérêt pour partager pouvoir à l'opposition. Pour plusieurs raisons. Un, gen pile moun qui peut arriver en opposition, cap dit c'est des job yo té, mais yo pas yo de trois job. Et mec ça qui job yo pas passer un poste ministre, on poste non direction générale. Moun qui va venir ministre soit dans le mois de juillet qui vient là, parce que dialogue là, on va le kimbe là, on va le kimbe actualité, hein? Dialogue mois mai, dialogue mois juin, dialogue mois juillet. Ça qui arrive avec un nouveau premier ministre, un nouveau gouvernement, on va le faire à partir de mois d'août ou bien mois septembre. Maintenant, qui intérêt un mec qui est en opposition, t'as capable de gagner pour prendre un job pendant 4 mois, pendant que nèg la pral dit que job ça elle prend pendant 4 mois dans le président Jovenel Moïse, que mandat a fini 7 février 2022, ou bien si tu comptes c'est 2021. Mais disons, ok, si c'est 2022, la difficile pour de monde qui est en opposition, car pour un job ministériel, pendant que l'on connaît que le pral va gagner des charges,
elle va faire 4 mois seulement, même notre cabinet n'est pas capable de toucher. Bon, on dit, même comme résidence, premier, deuxième résidence, c'est qu'il doit il n'est pas capable de joindre. Parce que comme un pays, il y a un problème d'argent, deux, comme pas débloqué comme ça. Donc, moi, je pense, même si il y a un changement ça qui arrive, je ne pas croire que l'opposition prenne une ligne pour la négocier en forme de gouvernement. Il est capable de former un nouveau gouvernement, mais avec un ensemble de alliés qui étaient en cachette, qui étaient en bas châle de pouvoir. Parce que si à la fin, gouvernement démissionnaire, un, si le pouvoir a besoin d'un message, il est capable de prendre trois personnes qui ne peuvent pas tellement toi afficher, soit dans le PHTK, soit comme allié, et puis une vraie job ministériel. Mais il y a de grandes figures de l'opposition, cap très difficile, enfin, à mon sens, pour avoir le poste ministériel pour quelques mois pendant que vous avez un jeu gagné. Et, conditions pas réunies pour l'élection réalisée dans le pays, pendant la parler, hein, avec question d'insécurité, hein. Comme problème d'insécurité, hein, si nous d'accord que, à travers des analyses qui faites soit sous table Haïti Débat, ou dans d'autres médias, ou de citoyens qui ont analysé, conditions pas réunies pour l'élection. Oui, il faut gagner l'élection. Mais conditions pas réunies parce que l'insécurité a posé problème. Par exemple, qui connaît comment candidat va faire campagne. Et comme c'est un gouvernement qui est en difficulté, qui est censé pas jouer un minimum de consensus avec les acteurs politiques, ou bien pression population en tout, très réticent par rapport à la question de l'élection. Il y a d'accord l'élection, mais qui l'a fait? Vive le problème. Parce que je dis, tout le monde qui a bon sens, d'accord que nous avons une démocratie, il faut gagner l'élection. Mais qui d'accord qui moment qui a propice l'élection, personne n'a ici pas qu'à connaître. Sinon, on nous dit un pouvoir qui est en forme de campagne que l'a fait pour expliquer que l'élection va faire telle date. Mais pour l'instant, il n'y a pas de monde qui croit. Nous avons kidnappé nous matin, midi et soir. Est-ce que dans l'élection, ce n'est pas le moment que pour prendre plus de monde pour kidnapper nous? Pas de monde qui connaît. Donc, condition va réunir. Si condition va réunir, combien? Faut que tu aies un minimum de consensus. Si on pas un minimum de consensus, ça, qui est-ce qui a prêté? Ministre Claude. Qui a prêté comme le ministre AI. Parce que si le président dit, faut que c'est non dialogue, il joue. Il joue au premier ministre. Pendant que c'est non dialogue, en même temps, il n'est pas très à l'aise pour partager pour voir avec ça. Et mon état doué by portion, c'est de monde qui n'a pas vraiment représenté grand chose sur la scène politique. Au niveau du secteur de l'opposition ou de la société civile. Ben, qu'est-ce qu'il va faire? Gouvernement a démissionnaire. Comme nous avons des problèmes sur le plan légal, et depuis longtemps, là, on a agi dans deux constitutions. Gouvernement a prêté là. Et là, nous commençons à arriver dans le mois de juillet, mois d'août. Gouvernement démissionnaire est toujours là. La liquidité a fait courant. Comme il va limiter pour combien de temps? Combien à un moment donné? Là, on y va dans le mois de juillet ou le mois d'août. Gouvernement démissionnaire. Il doit essayer à tout prix pour mettre un nouveau gouvernement. Mais l'opposition n'a pas gagné intérêt de rentrer dans le pouvoir avec un gouvernement, avec de rentrer dans le pouvoir côté que dit président, le dit mandat fini. Si on t'a été cohérent, ces manifestations, et comme nous connaissons dans manifestation des troubles, des bordels, c'est ça qu'on a organisé pour pas gagner question nouveau gouvernement. Et prendre une forme de machination qui pral fait, politique, moun qui dans le secteur de l'opposition pral menacer de moun qui pral prendre job dans le pouvoir, moun qui dans le pouvoir tout pral discréditer un ensemble de moun qui a vint fouer tête dans le pouvoir parce que yon même qui déjà là, soit comme ministre qui a liquidé à faire courant, ou bien qui a consolidé le pouvoir, qui dit tête que si l'opposition empêchait d'organiser l'élection, nous-mêmes tout, nous ne pouvons pas au pouvoir là, faire une gens, etc. Si c'est notre transition pour aller. Finalement, bref, tout ça pour me dire que nous saluons aujourd'hui, hein, moi quoi que, je t'ai dit dans tout début de mon intervention, pas ta supposé que satisfait par rapport avec le gouvernement démissionnaire. Soit gagner un nouveau premier ministre AI et puis un premier ministre qui démissionnait. Parce que déjà,
contrairement à par exemple clash qui a gagné entre le premier ministre Jean-Louis Séan au niveau du parlement de la chambre basse et de Sénat maintenant et avec palais national, vous avez l'impression que gagner un politique enragé qui t'a fait et que premier ministre pas à l'aise pour t'aller pas jambe ça entre premier ministre Jout et président de la République. Maintenant si pas jambe ça, bien que moi-même ça arrive que dans le dernier moment, mais je n'ai pas cette information. L'information qui dit que c'est forcé, ou forcé Jout bay démissionne, et il y a d'autres informations qui expliquent que il ne voulait pas liquider les affaires pour eux. Donc c'est choix pas. Donc il y a plusieurs informations. Comme on a une information qui dit c'est de l'autre, et pas de gens qui déconnent des groupes, désaccord total entre le président de la République et le premier ministre, maintenant pas rentrer là. Mais qui ça veut dire là? Je dis, nous gagnons un gouvernement qui est démissionnaire. Pour un ensemble de dossiers, dans la République, là, il va dire, ah, on connaît gouvernement démissionnaire, ce n'est pas possible. Pendant que nous risquons de passer un temps fou, plus que 3, 4, 5 mois, avec gouvernement démissionnaire. Là. Et si pouvoir en place, gardez bien, que ce n'est pas un changement de gouvernement. D'ailleurs, le président est toujours dit, il n'est pas quoi dans ça. Et il tellement pas quoi. Non, c'est un dialogue qui était pour un nouveau gouvernement. À chaque fois qu'on commence un dialogue, le président t'explique, il choisit un premier ministre prochain. Donc je dis, pour qui ça? Ou bien est-ce que c'est normalement situation plus compliquée? Question kidnapping a augmenté dans le pays. Hein? Misère a augmenté. Opposition, regardez, président Jovenel Moïse, il dit que environ 10 mois. Maintenant, à former un nouveau gouvernement pour faire qui ça? Et ils ont expliqué que ils n'ont pas pris l'élection. Deuxièmement, allez, se permettre. Un, ils ont dit qu'ils n'ont pas pris l'élection. Deux, situation compliquée. En plus, le monde parle comment il y a privé organiser l'élection. Maintenant, on dit que, bonne motion, on dit que, si l'opposition ne parle pas entrer dans la formation de gouvernement, gouvernement démissionnaire qui vient là, président n'a pas l'autre choix. S'il pas nommé au premier ministre, on l'autre premier ministre. Puisque déjà le peuple pour ne pas faire même le fait déjà, je choisis un monde qui proche lui. Quand on prend ça le gouvernement a démissionnaire. Mais dans les faits, c'est au point d'agir. On met pas motion. Bon, et motion, ça va permettre que nous ayons des informations. Et qui est tombé puisque le gouvernement AIA a arrêté présidentiel qui nommé des ministres AI également de ce gouvernement. Et c'est comme ça que je dis, faut président, fais attention pour parler de la même monde. Ok, donc il y a une liste. Et ça qui est important dans la liste, c'est que presque tous les ministres AI ont arrêté. Mais je crois qu'il y a deux ministères qui ont libéré. Et il y a Patrick Boisvert qui était ministre de l'économie et des finances. Premier jour là. Monsieur, mon autre portefeuille qu'on a. Planification. Et ministre de la planification. Et puis il y a Gonzague D, qui était ministre haïtien vivant à l'étranger, qui remplit portefeuille Bernadette. Bernadette là. Il n'est pas là encore. Il est le ministre. Il était ministre de l'Intérieur. Tout à fait. Il estimait que pendant l'intérim, Gonzague qui a plus utile. Ah, non, il n'est pas du job. C'était l'armée avec le quête. Il n'a pas de l'armée avec le quête. Ah, mon cher, monsieur n'est pas concours de mettre là. Il n'est pas de l'armée avec le bouquet. Mais l'armée est toujours là. C'est l'elle quoi le nom. Non, mais c'est pas raison. Il n'y a pas de l'armée avec le bouquet. Qui était un gros cadre de Breval qui était contre travail en pile lui. Donc en pile, on pense que tu n'as pas pile pour soulever la sécurité. Ça passe. Est-ce que c'est période de pas même? Ou bien ça vient faire que pas le même niveau d'efficacité ou bien c'est politique là qui change? C'est des questionnements pour nous d'agir. Parce que des gens qui mettent nos postes, qui mettent tout le monde explique que ça va changer. Et il y en a qui pensent peut-être. Si on a quitté le Zadek à changer vraiment, était ministre-justice, ancien ministre-justice. Yes, c'était. Avant dernier monsieur Zach là. Lukman. Lukman a fait quelque chose. Lukman a fait quelque chose. Mais après ça, le gouvernement est là, c'est parce qu'on va être nul.
Bon, c'est bien attendre. Attendre parce que le gouvernement va inventer tout, mon pile l'eau. Mais dernière figure que tu mettais là-haut, tu sembles avec des gens. Parce que il y a des gens qui pensent que bon pile nous mettait ministre qui était plus ou moins pour ton petit bagaille en termes de changement dans le pays. Mais et pas ça nous vivre. Et nous là, d'ailleurs, c'est ministre intérieur que nous gagnons. Alors, ce que tout le monde t'a expliqué que monsieur t'apprend les deux Jovenel Moïse. Moi, c'est de ça. Je pense que. Je me permets. Moi, je pense que c'est monsieur Sonnet qui bon parcours. En plus, le monde qui connaît, le respect et son aide qui vient principe 1, 2, 3 de la page. Cependant, Benadel, cependant, oui, c'est ça, avant l'exercice, chef de monsieur arrivé dans le ministère de l'Intérieur, il n'était plus lui-même. Qu'est-ce monsieur vient pas vrai. Il prend tu voudras, ça que passe. Monsieur, non, il vient pas vrai. Il vient à servi, il a une forme, il prend forme vert, mais monsieur pas lui-même. Et après tel que son équité très sympa, puis le monde qui connaît, et puis le monsieur débarque en l'armée, et nous recevons l'émission, et nous gardons comme pour protéger les cas avec les collectivités, il dit chaque samedi, il y a deux mondes qui ont séparé, mais attends, quand tu as une enquête sous les épaules, la jambe a raison. Chita, et puis nous livrer comme si un. La jambe a raison ou la raison. Comme si pour lui, mon côté, un. Ou l'on est pas pour côté sur l'armée, V25 nèg avec monsieur armé, tout nèg c'est devant des hommes qui sera à débarquer, ministre de Bédadel. Deux, encore pour collectivité territoriale, Kazek, Azek, magistrat, fait développement, les joues, les genoux en tête avec eux, et puis chaque samedi, comme l'a séparé, 2000 gouttes, 5000 gouttes, et puis, les gouttes, ça n'a pas jamais touché, il y a un moment de la radio. Donc ça veut dire qu'il était tout lui-même. C'est tout pour nous demander de te casser l'idée, il y a un bon appel du tête, Jean-Jacques de Rouge, le bouge. Nous devons le faire, oui. Parce que sinon, il a donné un mot de libre mission, tu avais dit. Mais mon cher, fais à son âme. C'est bon. Fais à son âme. Bon, moi-même, je vais dire deux bagages maintenant, puisque justement, moi, je vais suivre en fait. Ou là, moi, je vais dire, moi, je vais répondre en pile auditeur. Bon, on nomme 5 messages comme ça. Et comme pratiquement, quand il est étudiant, l'autre monde qui voulait comprendre la politique, et Captain de moi, répondre au premier bagage, ça. Parce que je me dis deux bagages. Pour le bas, je vais répondre, c'est que, et ma campagne tout, et on dit, genre, il y a une idée contraire par rapport à ça, on dit. Il y a une opposition contraire, ce qui est normal. Oui. Mais moi, je voulais rappeler. Moi-même, je me base sur deux faits pour me dire que c'est poussé ou c'est deux joutes. Pas que vous nous intimidez, moi. Non. C'est peut-être que vous ne pouvez pas comprendre. Non, je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas faire la décision. Voilà. Je me base sur deux faits. Explication, je ne peux pas peut-être pas bailler pour nous, mais pour l'autre, pour peut-être qu'il ne peut pas comprendre ça, je dis. Parce que vous avez des démissions. Vous avez pensé, bon, puisque de la démission en droit administratif, c'est un acte personnel. Il n'y a pas compris, il me dit que, écoutez, basé sur deux faits. Basé sur tweet là. Basé sur différents des contentieux qui existaient entre le Premier ministre Jout et le secrétaire général du Conseil des ministres. Premier fait assez contentieux, c'est sur fait sans basé. Je te dis là dans l'analyse que je fais. Je te dis comme ça que déclaration ou bien tweet Rinalda comme secrétaire général conseil des ministres qui est pour chef hiérarchique le président de la République n'est pas innocent. C'est le palais national qui a parlé. Donc, je ne crois pas du tout en aucun cas. Il y a un monde, frère. En secrétaire général du Conseil des ministres, qui est président nommé, pour qu'on premier ministre, président, qui prend décision en accord avec lui, pour un secrétaire général, on t'a pas dit, premier ministre, c'est pour faire. C'est pour faire. Deuxième fait, notre but là, président dit que l'accepter l'émission du gouvernement, et ça permet lui l'aborder. Ça permet d'aborder la question de l'insécurité. Donc maintenant, je dis à, par exemple, quelqu'un qui a montré que
et président, en dépit du fait que tu as il était plus proche d'un soulier. Oh, ben, tu as des collaborations, pas de jambes. Et faut que le ministre te comprenne. Faut que le ministre te comprenne. Depuis le même jour, déclaration, tout est dans là que le président désolidarise la veille. Alors, je peux mettre Val, on t'y d'accord, on t'y c'est très important. En fait, mon point, c'est que. En fait, il y a des gens qui doivent faire une ouverture pour, à travers Twitter. Parce que le problème criant aujourd'hui, hein, insécurité, question de la misère, question de déchirure, tissu social, là, sont des qui, pas qu'on ne peut pas passer à côté pour ne pas dire ou pas constater. Et même les gens qui vivent dans le pays ont senti un tremblement dans la zone. Les peuples haïtiens qui vivent en situation de la tremblade, peur dans la zone, dans la zone. Mais ça me comprend tout. Avec tact et élégance, le président fait une ouverture dans tout le lien. Parce que l'ouverture qui le fait, hein, c'est que le dialogue là, l'a tourné pour être capable de joindre une solution à un problème. Ça, et celui qui a claqué la porte, ou bien qu'on a foutu à la porte, c'est. Il y a un bail d'eau, même le président t'expliquer, ou regarde le soleil là et puis l'ombre à l'ombre. En dans tweet là, le président, faut qu'il y ait un message qui passe qui dit que, ok, nous constatons le problème, parce que ça fait parler du fusible. Maintenant, pour le ministre sans fusible, c'est lui qui a sauté. Étant donné qu'il sautait déjà, quitté porte là, on a dit l'ombre à l'ombre. Le président dans tweet là, c'est normal pour que lui font ouverture. Ouverture qui s'allie. Parce que s'il ne parle pas de problème, non, ou bien l'impression, tu as une analyse, non, c'est pas terminé, tu as une analyse qui dit que le président va même comprendre que si tu as un problème, ça. Il faut embrasser, garder point ou point, insécurité, question la misère, maintenant, instabilité. Il tout dit l'autre acteur, l'invité, pour venir, pour te coller, parce que Marco te dit dans bon créole. Quand on pas de premier ministre encore, ou cabal un premier ministre. On pas de ministre encore, ou cabal un ministre. C'est l'ouverture à travers ce qu'il a dit. Sauf que c'est pas tellement d'accord ou pas d'accord avant, non. C'est parce que vous savez, au niveau de l'interprétation, on doit comme s'il a essayé d'expliquer lui, et puis non nuance tu pas droit nuancer et puis des côtés me pas fin de retrouver mais ça pas veut dire non pas des problèmes toute la clé il dit président il dit pour le ministre mon ami pour tout faire zéro dans question de sécurité démission pour le permettre embrasser question ça que le pas mais c'est pas interprétation même pas handicap là handicap c'est ça d'abord dis mon bagage après tweet là handicap ça c'est mon bagage le deuxième bagage pendant que vous nous parlez là gardez arrêtez là qui confirme le gouvernement pour vous arrêtez qui confirme le gouvernement il y a deux changements qui fait seulement c'est le PM Jout qui est handicap là selon le président le tweet du président de la République. Le deuxième moment, c'est le ministre de l'Intérieur et de la collectivité territoriale. Donc maintenant, parce qu'il y a des gens qui prennent le sens large pour dire que c'est le gouvernement dans sa globalité. Effectivement, au nom de la solidarité ministérielle, le premier ministre démissionné, c'est la fin de tout le gouvernement, de le cabinet ministériel. Pas de problème de ça. Mais arrêtez à là, mais tout le monde a toute votre mission, à l'exception de Fritzo Bernadel. Donc ça veut dire que l'handicap pour le président de la République, c'était effectivement le PM qui l'estimait, qui a parlé tout le temps. On peut le comprendre. Qui disait le secrétaire. Le ministre intérieur. Tout à fait. Son problème de sécurité. Effectivement. Il a continué. Il est cohérent. Donc, par rapport à Twitter. C'est bon, c'est ça, mon logique. On n'a pas de bagaille. Par rapport à Twitter, il a cherché à la cohérence. Il va comprendre. Mais ça, pas que notre population. Parce que faut garder le feu. J'ai un problème. Mais il faut garder le feu. Regardez, donc on va analyser. On va analyser les faits. Ne fait que analyser les faits. Allez, bien, bien. Regardez là qui se passe tout, mais à propos de ce qu'on a fait. Maintenant, deuxième bagage, président, on croit que bon, nouveau constat dans l'histoire, nous, la façon de faire. Pendant 30 dernières années, là, nous toujours dans la logique. Faut que nous baillons. Alors, il y a un groupe qui mettait le pouvoir dans la situation pour bailler au fond de coup. Et ça pire là, c'est que pendant qu'on mettait groupe là mettait pouvoir yo, et ça passait sous président Préval, ça passait sous président la présidence de Martelly, ça passait sous la présidence de Jovenel Jodi à la vie actuellement la vie
c'est que, toujours dans les situations, il faut qu'il y ait un gouvernement de consensus, un gouvernement d'ouverture, un gouvernement, comment on connaît le gouvernement ça? Salut public. Un gouvernement de salut public, etc. Maintenant, ça vous, c'est comme ça que vous faites pendant les 30 dernières années. Pouvoir en place là, il est toujours en situation pour composer, pour agenter, une forme de gouvernement qui est pour jouer de la paix. Et je me demande donc un mot ce soir. Et ça fait assez souvent, les pouvoirs échoués de 91 à jeudi, ou presque pas qu'à dire comme c'est pouvoir en tant qui échoué. Échoué. C'est Préval qui échoué, c'est Jovenel avec Matéli qui échoué. Parce que yo, tout le monde a pouvoir. Parce que vous savez pourquoi vous avez fusionné le pouvoir Matéli. Fusionné la dame. Ah, vous avez le pouvoir Jovenel. Oui. Et pas ça? Oui. Et qui l'a pas dit que nous avons ah, on va quête. Il était de la dame. On va quête. Parti Sorel là. Il était de la pouvoir. Ça dit que il a tout le partage de pouvoir. Ça dit que il a gourmé pour gagner un consensus qui joue, pour qu'on gouvernement d'ouverture. Il a tout rentré la dame. Après ça, les sorties ont dit pouvoir ça échoué. Alors que il a dit bataille la main. Il a dit bataille la main. Yeah. Après ça, il a dit pouvoir échoué. Échoué. Donc maintenant. Mais même, ça vous regardez, parce que là, on a posé action politique, on regarde les résultats. C'est la part de bilan du gouvernement de l'ouverture, ça y est. Gouvernement, pas qu'on est comme un roulé, consensus. Consensus. Gouvernement pluriel. 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 Gouvernement pluriel. Monsieur, le bilan, c'est la misère, l'insécurité, le chômage, crise environnementale, absence de politique public en matière d'économie, etc. etc. Bilan, c'est la dégradation des conditions de vie de la masse. Maintenant, on a ces façons de faire ça. Nous avons fait politique dans le pays. Il faut qu'il change les lits. Parce qu'il n'y a pas de résultats. Si effectivement, nous disons que c'est des leaders politiques. Et politique, par définition, c'est une activité qu'on pratique et activité ça ou fait justement à travers l'action qu'on a posée pour améliorer les conditions de vie. Pas de le bail. Finalité première, toute action politique, c'est satisfaction, c'est permettre de mieux être dans la société. Mais bilan, c'est zéro. Moi-même, on dit pour nous dire qui ça, c'est cette façon de faire. Il faut certainement modifier, varier, parce qu'il n'y a pas de résultat. Maintenant, mais quoi? Parce que ouais, l'État sont machines. Je dis, Samba dit là, président d'un pays n'est pas fait plaisir, certainement. Mais même c'est façon de comprendre, après constat, nous finalement arrivé à la conclusion ça. Pourquoi pas bosser dans le pays à ce moment-là fait politique, essayer de permettre que de le cadeau de réussite dans le pays, il y a des nègres qui font business. Il y a de l'autre côté où fait comme. Puisque l'État, c'est un espace qui fait comme. Nèg t'es dans une pauvre ville riche. C'est ça qui fait moi quoi que. Je dis, la réflexion de gagner, il faut qu'il mette notre cadeau de réussite. Il y a des nègres, c'est pas parce que il n'y a pas de bagaille ou fait non. Mais au bon marché, si tu marches à très fermé, il y a des nègres qui n'ont pas faire business. Bon, voilà. L'unique. C'est de réussite, là, c'est la politique. Bon, depuis au gouvernement monté pour tous les problèmes. Manifestation machine. On ne va pas parler de l'opposition. Manifestation, c'est une pratique, s'il vous plaît. Manifestation machine. Ouais, je dis à PHTK au pouvoir, demain si je veux. PHTK pas au pouvoir, fait de toutes les salles de l'opposition. Faut aller. C'est une pratique. Donc, moi, je faut qu'il y ait ça. Mais maintenant, je dis à regarder, on est même. Je veux que tout le monde comprenne ça, Mabzi là. Salut tout, code 9. Je veux que tout le monde comprenne ça, Mabzi là. En force. Si, le gouvernement ça qui là, tenez bien, mon capitaine, il est fanatique. Je ne même pas parler de fanatique, s'il vous plaît. Si, ce gouvernement ça, population t'a estimé. Malé au-delà de considération qui dit Jovenel, c'est président de facto, etc. En tout cas, jusqu'à présent, c'est le manette de l'État.